Salut à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons aborder un comparatif de deux sliders. Et donc, vous l'avez compris, le doux petit nom de ces deux sliders, ce sont deux top modèles que sont le Honor Magic 2 et le Xiaomi Mi Mix 3. Le Mi Mix 3 qui va arriver dans une nouvelle déclinaison en France, la déclinaison 5G, bien que la 5G, même sur les antennes autour de vous, ne soit pas réellement encore bien déployée en France. Mais bon, c'est, je dirais, un coup marketing pour le moment. Je dirais grossièrement un coup d'épée dans l'eau. Hein, on va en rester là, pour ne pas être plus méchant. Deux modèles à slide, c'est quoi? Deux modèles à slide? Des modèles à slide, ce sont des caméras cachées que vous êtes obligé de déployer pour vous prendre en selfie. Est-ce bien pratique? En tous les cas, ça permet d'avoir du plein écran bord à bord, en hauteur, en largeur, d'avoir du coup des caméras cachées. Alors, pourquoi me direz-vous ne pas avoir une caméra en pop-up, comme le Vivo Nex, par exemple, ou comme les Vivo V15 Pro, ou bientôt comme le Oppo Reno, bref, j'en passe. Le slide, je dirais que même si sa mort n'est pas... Aujourd'hui, je pense que dans l'année, on ne verra quasiment plus de slide. D'ailleurs, une marque a arrêté le slide, c'est Lenovo, puisque le Z5 Pro était équipé d'un slide. Le Z6, qui vient tout juste d'arriver, mais qui n'existe pas, malheureusement, avec une ROM globale, lui a arrêté, eh oui, le slide. Donc, ce sont deux modèles à slide. Et la question que l'on peut se poser tout de suite, c'est est-ce que c'est pratique? Et moi, ma réponse personnelle, c'est non. Non, pourquoi? Non, parce que, exemple, pourquoi mettre sur chacun de ces modèles une reconnaissance faciale lorsque vous êtes obligé de slider pour pouvoir ouvrir votre smartphone? Pas du tout pratique. Et donc, non, ce n'est pas pratique du tout. Alors, pour ma part, le seul qui était vraiment efficace comme slide, c'était le Oppo Find X, pour la simple et bonne raison, c'est que c'était motorisé, et oui, c'était motorisé. Et du coup, lorsque vous demandiez la reconnaissance faciale, c'était quasiment instantané. Pas besoin de slider. Voilà, tout simplement, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace en motorisé. Chose qu'a compris, a priori, je dirais, Samsung avec son nouveau A80, puisque ce A80 est doté d'un slide pour reconnaissance faciale, mais les mêmes caméras peuvent retourner pour prendre les photos classiques. En ce qui concerne les puissances pures de ces deux modèles, vous avez d'un côté le Snapdragon 845 qui est loin, loin, loin d'être dépassé, même si le 855 effectivement est tout juste sorti, mais le 845 a toujours des scores de dingue sous AnTuTu. De l'autre côté, vous avez le Kirin 980, le désormais très connu processeur maison de chez Huawei, avec une puissance, oui, présente, mais légèrement dépassée ces derniers temps par les nouveaux processeurs. Donc, il est grand temps que Huawei travaille sur son nouveau Kirin. C'est en cours, mais il n'est pas encore annoncé officiellement. Des bruits de couloir, hein, on va dire. Entre les deux, c'est un écart de près de 20 000 points. Alors, 20 000 points, ce n'est pas suffisamment important pour créer un écart important entre ces deux modèles. Côté GPU, d'un côté, vous avez avec le Snapdragon 845, l'Adreno 630, le désormais aussi très connu, puissant, très efficace, quel que soit le type de jeu, même les jeux lourds. Et de l'autre côté, vous avez le très classique, là aussi, Mali G76. Lorsque l'on regarde les écarts de score sous AnTuTu, eh bien on s'aperçoit très rapidement que l'écart est dû à l'interface utilisateur. D'un côté, une interface un peu plus lourde que de l'autre. Alors même si je trouve les deux lourdes, imaginez et demandez-vous laquelle est la plus lourde. Regardez bien. Quant à l'espace de stockage et la RAM embarquée, les deux sont sur la même longueur d'onde, 6 Go de RAM et 128 Go/octets pour être dans les règles. 128 gigaoctets de stockage interne, donc de ROM. Et c'est une égalité parfaite de ce côté-là sur ces deux modèles. Nous avons deux top modèles. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse sur les top modèles? C'est leur mensuration. Blague mise à part, c'est pas vraiment une blague, en fait, côté mensuration, parce que la bonne blague, eh bien oui, c'est qu'ils ont les mêmes mensurations. Au-delà du fait que vous avez un écran de 6,38 pouces sur ces deux modèles, vous avez des mensurations au millimètre près
exactement les mêmes. En hauteur, vous avez 14,74 cm de haut. En largeur, 6,8. Eh ouais. Et la diagonale, puisque vous avez un écran identique, vous avez une diagonale de 16,23. Donc, égalité parfaite de ce côté-là sur ces deux sliders. La sécurité intégrée sur ces deux modèles par Xiaomi ou Honor, Huawei. Le Honor a une petite avance, je dirais, puisqu'il propose un lecteur d'empreintes sous écran. Efficace, je trouve, parfois moyennement, c'est assez bizarre parfois. Alors en fait, je pense que c'est juste qu'il vous faut positionner parfaitement votre index ou votre pouce, suivant le doigt que vous aurez enregistré, bien entendu. Mais il vous faut vraiment positionner parfaitement votre doigt et là, il fonctionne très bien. Sinon, il est un peu parfois dans la galère. Alors, le Mi Mix 3, bon, vous savez que Xiaomi a mis du temps à sortir un lecteur d'empreintes sous écran, puisqu'il n'était sorti à l'époque qu'avec le Mi 8 Pro et encore, c'était un petit peu laborieux. Depuis, sur le Mi 9, ça a grandement évolué, ça s'est bien amélioré. Et donc là, vous avez un lecteur d'empreintes ultrasonique situé à l'arrière du smartphone. Et bien là, très réactif, bien entendu. Il est beaucoup plus que le lecteur d'empreintes sous écran, mais toutefois, je juge, moi, personnellement, que les deux sont réactifs, même si le lecteur d'empreintes situé à l'arrière, le lecteur d'empreintes ultrasonique, a une petite avance en termes de rapidité de lecture. Alors, je vous l'ai dit, c'est des sliders, mais ces deux marques ont intégré une reconnaissance faciale que je juge moi personnellement totalement inutile. C'est vraiment pour dire que, ok, ça existe, mais pour moi c'est une vraie débâcle d'être obligé de slider. Bon, voilà quoi, ça sert à rien, messieurs, arrêtez de proposer quelque chose de totalement inutile. Or, moi personnellement, ma préférence va au lecteur d'empreintes sous écran fourni par Honor parce que vous tenez votre smartphone, vous mettez votre pouce, ça lisse, ça débloque, voilà, terminé, c'est rapide. Bon, en ce qui concerne les finitions, alors d'un côté vous avez du verre, de l'autre côté vous avez de la céramique. Vous préférez la céramique ou le verre? Alors le verre, il est clair que ça marque et là oui, il marque bien les empreintes, c'est un peu malheureux, mais il paraît plus léger en main, voilà. Et c'est le choix est cornélien et très difficile à faire quelque part. Vous préférez la brillance au verre et la légèreté du verre ou la céramique qui marque moins les empreintes mais qui fait que vous avez un smartphone un peu plus lourd en main. À vous de voir. Je dirais que comme leur taille, et oui, leur poids est identique là aussi. Et donc je dirais qu'en termes de finition globale, leur prétention est totalement équivalente. Les deux jouent sur le même tableau, c'est-à-dire non pas du milieu de gamme mais du haut de gamme. Maintenant, c'est aussi la finition du slide qui peut jouer la différence. Et le slide, côté Xiaomi, me paraît mieux intégré, d'une finition plus fine, parce que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de jeux sur le Honor. Le slide côté Xiaomi intègre des aimants qui vous permettent de le déloquer plus facilement. Le Honor, vous êtes obligé d'ajouter la coque pour pouvoir glisser facilement le slide. Comme vous le voyez, c'est que les boutons se trouvent exactement au même endroit, quasiment là aussi, au millimètre près. C'est à croire qu'ils sortent vraiment de la même usine. Xiaomi a eu, entre guillemets, l'intelligence, je dirais que c'est une non-intelligence, d'ajouter son bouton d'intelligence artificielle, parce que je trouve ça inutile. Ça remplace Google Assistant, sachant que là, vous avez un Xiaomi anglais-chinois. Et oui, je n'ai pas eu la chance d'avoir un modèle français offert par Xiaomi, et donc j'ai le modèle sino-anglais. Et ces deux modèles sont équipés de l'USB Type-C. Bon, vous me direz, vu leur prix, chose assez exceptionnelle, c'est que ce Xiaomi ne propose pas la fonction télécommande. Or, le Honor propose cette fonction télécommande. Dans les deux cas, la caméra ressort d'un bon millimètre à l'arrière. Donc, sachant que ces caméras sont sur le côté, vous avez donc un smartphone en bascule lorsque vous saisissez des messages et que votre smartphone est posé sur votre bureau. Petit point désagréable, c'est que aucun de ces deux modèles ne propose un jack 3.5 pour y brancher votre casque. Adaptateur obligatoire ou Bluetooth. Attaquons le vif du sujet de ces deux smartphones, les caméras. Et ouais, les caméras, parce que c'est aujourd'hui, je crois, le nerf de la guerre de tous les smartphones, c'est à qui aura la
meilleure définition, la meilleure finesse d'image, le meilleur temps de réponse en mode nuit, les plus belles images en mode nuit, la meilleure clarté, la meilleure luminosité captée. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Et ces deux modèles sont d'une ancienne, déjà ancienne génération. Et oui, l'ancienne génération, c'est malheureux, même s'ils ont évolué côté photo. Mais le Xiaomi a évolué plus vite que le Honor. Globalement, tout dépend de ce que vous aimez en photo par rapport à ces deux modèles. Préférez-vous les photos plutôt discrètes avec des couleurs réalistes ou préférez-vous le mode intelligence artificielle qui accentue un peu les couleurs où ça vous fait des photos plus pétantes, plus chatoyantes, n'est-ce pas? Je dirais à la limite du fluorescent. Voilà, c'est votre choix devra se faire en fait par rapport à ce que vous aimez en photo. Même si une préférence ira à la rapidité d'exécution et à la finesse du détail. A savoir que ce Honor Magic est équipé de 6 caméras. Mais oui, ça rigole pas, on met 3 caméras de chaque côté, 3 à l'avant, 3 à l'arrière, donc vous en avez 3 dans le slide. La section photo principale, donc située à l'arrière du téléphone, vous avez un capteur principal de 16 mégapixels qui lui a une focale de 1.8. Vous avez un capteur supplémentaire de 16 mégapixels qui couvre les grands angles. On a un grand angle d'environ 17 mm, c'est ce qu'annonce Honor, ce qui me semble plutôt pas mal quand même. Et enfin, vous avez un capteur monochrome et de 24 mégapixels à une focale de 1.8. Quand je vous disais que c'était l'ancienne génération, aujourd'hui des capteurs monochrome, on n'en met plus, on met des capteurs ultra grand angle, c'est la mode, et zoom optique x5, x10, et chez certains jusqu'à x50, même si la photo est dégueu, c'est pas grave, on a du x50. Enfin, la partie avant de ce Honor Magic 2, c'est un capteur de 16 mégapixels et un couple de 2 mégapixels. Alors pourquoi un couple? Un permet les effets de profondeur, tandis que l'autre, bah écoutez, d'après l'annonce, c'est aussi des effets de profondeur. Alors, je n'ai pas tout compris, mais deux capteurs de 2 mégapixels pour l'effet bokeh. À vous de voir à quoi ça sert, je ne saurais l'expliquer comme ça directement. C'est ce qu'annonce Honor, deux capteurs de 2 mégapixels pour les effets de profondeur. En comparant les modes intelligence artificielle, je dirais que pour une fois chez Honor, sur ce Magic 2, le mode intelligence artificielle n'est pas aussi intrusif que sur le Honor 10. En tous les cas, si vous le laissez allumé, bien entendu, puisque vous pouvez le désactiver, ce mode intelligence artificielle, hein, vous le savez. Et oui, donc moins intrusif, moins de résultats un peu bizarres où les bleus du ciel sont tellement accentués que vous n'avez même plus un ciel bleu naturel. Enfin, pour l'effet bokeh, vous avez un mode obligatoire. Le mode bokeh n'est pas géré directement comme sur le Xiaomi. C'est un mode qui s'appelle ouverture, avec un effet bokeh où vous avez une focale qui va de 1.4 à 13. Donc vous avez compris que plus la focale est petite, plus l'ouverture est grande. Et donc, plus vous avez de flou. Voilà, tout simplement. Je dirais que pour ce Honor, les photos sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Que ce soit en mode AI, donc intelligence artificielle ou pas, personnellement, je ne vois pas la différence. Je les ai trouvées totalement identiques et parfois même manquant d'un peu de détails en mode AI. Et c'est là où j'ai trouvé que le mode AI n'était pas intrusif, effectivement. Mais normalement, le mode AI ajoute un effet de détail, de détail au pixel, hein, de détail au niveau des couleurs. Et là, bref, c'est moyen. Enfin, son mode nuit, il est efficace, oui. Mais il vous faut impérativement un tripode, sinon c'est la catastrophe. Parce que le déclenchement est vraiment trop lent. Pour ce qui est du Mi Mix 3, et lui, il est équipé de 4 caméras, beaucoup plus classique, hein, même si aujourd'hui on va plutôt vers 3-4 à l'arrière et 2 à l'avant. Bon, là, lui, c'est 4, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. La partie arrière, c'est, vous avez vu le test du Mi 8, eh bien écoutez, c'est le même. Voilà, c'est la même section photo, tout pareil. Avec le capteur principal de 12 mégapixels qui est le Sony MX363. Et là, équivalence parfaite entre le Mi 8 et le Mi Mix 3 pour la section photo arrière. Ce capteur principal, il a une focale de 1.8 avec un stabilisateur optique. Donc ça, c'est un bon point. L'autre capteur, le capteur secondaire, c'est un capteur qui est un zoom. Et ce second capteur, c'est un capteur de chez Samsung. Je vous passe le petit chiffre, hein, le petit code interne, compliqué toujours chez Samsung. Le fonctionnement du mode nuit sur ce Mi Mix 3 n'a
pour ma part, je trouve rien apporté de plus ou rien de nouveau par rapport au Mi 8 et au Mi Mix 2S. Mi Mix 2S qui reste du coup très d'actualité parce qu'il est équipé du Snapdragon 845 avec une partie photo qui a évolué en même temps que le Mi 8 et qui a le même mode nuit que ce Mi Mix 3. Donc rien de nouveau sous le soleil pour ce Mi Mix 3 de ce côté-là. Alors une chose est sûre, c'est que le niveau de détail sur ce Mi Mix 3 est bien plus fin que sur le Honor. Oh, j'ai un bel oiseau devant moi. Salut, bonhomme. Mais franchement, il faut zoomer hein, pour voir la grosse différence. C'est en zoomant sur la photo que vous verrez une grosse différence. Enfin, une différence. Mais globalement, on est sur la même façon de travailler et le même résultat. Pour ce qui est du mode intelligence artificielle sur ce Mi Mix 3, là aussi, c'est un peu comme le Honor. Ça booste les couleurs, mais sans trop d'exagération, ce qui est un bon point. Enfin, le mode nuit ou pas, est-ce que ça vaut le coup de les utiliser sur ces deux sliders? Oui, chez Xiaomi et non chez Honor, je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit pourquoi, parce que eh bien, le temps de pause est vraiment trop long chez Honor. Et c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Pour la partie vidéo, eh bien écoutez, c'est clair, le débat, il n'y a pas de débat, puisque Xiaomi écrase clairement Honor de ce côté-là, puisque par exemple, vous avez du slow motion à 960 fps, chose que ne propose pas Honor. Alors, du 960 fps, mais en 720p, ça donne un effet vidéo pas terrible des fois, c'est pas top, voilà, c'est pas top. Mais en gros, tout le monde fait du 720p en 960 fps. Enfin, le Mi Mix 3 propose un point très important dans la vidéo, c'est la 4K à 60 fps. Le Honor est largué de ce côté-là, très clair. Bon, vite fait, comme ça, pour vous le dire, mais côté GPS, bon, égalité parfaite, parce que les deux répondent aussi rapidement l'un que l'autre. Je vous ai parlé des caméras, je vous lance quelques photos et vidéos que vous pourrez comparer. Deux ouvertures bien différentes, deux façons de vous filmer aussi bien différentes, puisque d'un côté vous avez sur le Honor une tête un peu fatiguée et marquée, et sur le Mi Mix une tête bien lissée, bien pimpante presque, on va dire, et deux façons de voir
vraiment très différente, même au niveau couleur, hein, c'est très 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 différent, il n'y a pas à dire. Il faut faire avec, mais je préfère la vidéo du Mini X3, un champ plus large, moins serré, et surtout je parais plus jeune, hein, beaucoup plus lissé, ça fait plaisir. Bon, enfin, ça c'est pour rigoler, hein. Alors, la tenue dans la journée par rapport à leur batterie. Alors, le Honor propose une batterie de 3500 quand le Mini X3 propose 3200 mAh. Mais, eh oui, un gros mais, puisque le Mini X3 était livré avec le petit pad de recharge sans fil. Enfin, une première chez Xiaomi, eh oui, de la recharge sans fil et de la recharge ultra rapide. Puisqu'environ une bonne heure, nous sommes sur une puissance de 22 watts, je crois, hein, sur ce pad, si ma mémoire est bonne. Alors, mes conclusions, parce qu'il faut venir aux conclusions par rapport à ces deux sliders, vous l'aurez compris, je pense, le Mi Mix 3 a une longueur d'avance sur le Honor. Est-ce que ça vous étonne? Peut-être pas chez les Mi fans. Moi, je pensais qu'il serait équivalent, surtout sur la section photo. Mais c'est vrai que Honor, sous-marque de Huawei, est, je trouve, un petit peu en retard en termes de photo, y compris sur les derniers modèles de la marque. Même si le Honor 10 fonctionne bien côté photo, je trouve que là, ce Honor Magic 2, qui se veut un haut de gamme, est un petit peu largué. Et plus largué encore sur la vidéo, parce que les vidéos sur le Mi Mix 3 sont beaucoup plus stables, avec beaucoup plus de détails, plus de finesse. Et c'est un peu dommage que Honor n'ait pas plus travaillé ça. Bon, et sincèrement, la finition est un cran au-dessus sur le Mi Mix 3, hein, par rapport au Honor. Finition peut-être pas globale, mais la finition du slide est, je trouve, beaucoup plus fine, beaucoup plus travaillée sur le Mi Mix 3. Le slide est beaucoup plus qualitatif sur ce Xiaomi. Voilà, je pense que c'est le point de discorde sur le Honor. C'est vraiment ça, c'est que vous pouvez appuyer sur le slide et vous voyez que l'écran, vous pouvez le pousser sur le Honor, et ça c'est un peu dommage. Un point important, si vous n'en avez pas entendu parler, chez Xiaomi, qui a été pointé du doigt il n'y a pas si longtemps, c'est les mesures de DAS. Et Xiaomi, semble-t-il, délaissait un peu la qualité et de protection quant aux émissions des ondes sur la tête et le corps, vous avez l'habitude. Et les mesures de ce Mi Mix 3, eh bien écoutez, justement, elles sont pas terribles. Alors, c'est un point important, je pense, puisque je crois que nous sommes autour de 1.5 pour la mesure tête et 1.6 pour la mesure corps. Ce qui fait que ce sont des résultats pas terribles du tout. On est largement plus élevé que d'autres marques sur les mesures de DAS. Et pour Honor, bien Honor, c'est un modèle qui est resté en Chine, donc aucune mesure de DAS n'a filtré. Sinon, bah, malheureusement, pas de sortie, comme je vous l'ai dit, en France pour le Honor Magic 2. C'est peut-être un peu dommage, mais en tous les cas, s'il vous intéresse, vous pouvez le trouver sur la boutique tradingshenzhen.com. J'en ai terminé avec ces deux modèles. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert l'esprit quant au slide, vous aura plu quant à la critique que j'apporte sur ces deux sliders, en espérant que voilà, tout ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous le désirez, et surtout, parce que c'est le nerf de la guerre, à partager, parce que plus de partage, plus d'abonnés, plus de présence, et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est important pour toutes les petites chaînes que nous sommes, où nous ne sommes pas 1 million d'abonnés, où on ne dit pas tout le temps du bien des marques et des smartphones que l'on teste. N'est-ce pas, cher Emodroid? Voilà, des fois on se pose la question à savoir est-ce qu'il y a encore de la place pour ces petites chaînes, entre guillemets. Voilà, nous sommes des petites chaînes où nous disons la stricte vérité après des vrais tests. Et c'est ça le plus important, ce sont des vrais tests. Parce que tester sur 2 jours ou tester sur 4 jours et vous dire tout le meilleur d'un smartphone, est-ce que ça a un sens? Ça va peut-être dans votre sens, parce que vous avez envie d'entendre du bien, mais est-ce que ça va dans le sens global du modèle que vous avez entre les mains? Peut-être pas. Voilà, et donc, après il y a du ressenti personnel, c'est vrai, mais globalement,
Je crois que souvent on est les vrais testeurs hein, sont souvent sur la même longueur d'onde et il y a souvent des déceptions. Sinon, je vous dis donc à la prochaine. Bonne continuation à vous. Moi, je vais continuer, boire un petit coup et redémarrer parce que je profite du beau temps, parce que beaucoup, beaucoup de pluie est annoncée. Ciao, bye bye, à la prochaine.